Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui, il fait très doux, nous sommes dimanche, 7h du matin. Nous allons nous rendre du côté de Ourcoulou pour aller visiter un gouffre, le gouffre du Jean-Gilles. En plein dans le massif d'Ourcoulou, le gouffre du Jean-Gilles a été découvert dans les années 80 et descend à une profondeur de 223 mètres. Le gouffre étant composé de plusieurs puits et de nombreuses pentes, nous serons la majorité du temps sur corde. Toujours dans la bonne humeur, nous mangeons un morceau avant de nous équiper, jusqu'à nous rendre à l'entrée du gouffre. Non mais c'est bon, les vieux équipements on a toujours fait avec. Allez. Donc si vous l'enlevez, on enlève la déviation. Enlever la déviation en fait. Ah ouais d'accord, ok, bah, j'enlèverai. Mais... Non, c'est bon, il s'est arrêté. Désolé, regarde. Magnifique draperie. Nous voici à la première étroiture, qui mène directement à un puits de 50 mètres. Une étroiture plutôt galère. Ce qu'il faut la passer avec le descendeur. Quand on sera à moins 80, il y aura la vraie étroiture. Là, c'est... Ouais. Pour rigoler, ça. Ouais, là, c'est l'échauffement. C'est parti, 50 mètres. Ouais, c'est plus joli quand c'est éclairé. Ah, je suis éclairé, moi. Il est magnifique, c'est bon. La star, hein, je suis la star. Bonjour, messieurs, dames. Nous nous regroupons en bas du puits et continuons jusqu'à la deuxième étroiture.
Cette deuxième étroiture, qui mène directement à une tête de puits, était souvent franchie sans équipement. Elle a donc été agrandie pour pouvoir l'équiper dans de meilleures conditions. Attends, par contre, faut que j'arrive à me retourner. Ça, c'est pas gagné. Hop, première étape. Je suis tourné. Maintenant, remettre le descendeur. C'est ici que je me remettais la combi. Ah oui. Ou un peu plus bas. Mais au-dessus du puits, quoi. Bon, maintenant. Hop. Là, il faut connaître ton matos par cœur. Faut t'entraîner à faire les choses dans le noir. On voit bien quand l'eau a passé. Donc là, on voit que tout a sauté, là. Tout fait sauter. Plus ou moins étroit. Bon, c'est bien parce que c'est vous. Parce que là, j'ai envie de faire demi-tour et d'aller me boire une bière. Ouais, ça va. Tout seul. Donc voilà, c'est moi qui vais me charger du déséquipement de tous les puits. Oh micro. Je suis coincé.